C'est un véritable drame signalé ce samedi 24 août à Muyumba, un village situé à 45 km de Manono, axé Ankoro. Un agent de supermatch, connu sous le nom d'équipe engageant, a été froidement abattu par deux individus armés en uniforme, selon les témoins oculaires. Ce tragique événement s'est produit peu après que la victime a traversé par moto le village de Katoloka. Les premières informations recueillies auprès des habitants renseignent que les assaillants ont intercepté leur cible avant de l'exécuter par plusieurs balles à bout portant. Les notables de la ville de Manono se sont dit scandalisés par cet acte de barbarie et ont dénoncé l'inaction des autorités locales. Ils estiment que l'insécurité ne cesse de s'aggraver dans la région depuis les deux évasions massives qui ont eu lieu à la prison centrale de Manono. En effet, ces évasions ont fragilisé les tissus sociaux et créé un climat d'insécurité généralisé. Les autorités pénitentiaires sont pointées du doigt pour n'avoir pas maîtrisé les hors-la-loi qui sont supposés être auteurs de ces actes inciviques vécus ces derniers temps dans les territoires. Depuis qu'il y a eu évasion spectaculaire à la prison centrale de Manono, laquelle évasion, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été initiées sans retomber. Et dans l'entretemps, tous les anciens prisonniers sont en cavale. D'ailleurs, je sais que plusieurs sont toujours ici à Manono et avec comme conséquence, l'insécurité refait surface. Il ne se passe pas un seul jour sans que nous ne puissions enregistrer des cas de vol, des cas de tuerie par des bandits en main armée, mais par des personnes, par des malfrats non autrement identifiés. Et malheureusement, l'autorité locale est silencieuse. On dirait qu'il n'a ni oreille ni œil. Et au niveau provincial, il n'y a aucune réaction. Nous avons reçu il y a deux semaines de cela une délégation qui provenait de Kalemi, conduite par l'ancien ministre de l'Intérieur, Excellence Dieudonné Kasaka. Ils sont venus spécialement pour ça. Mais malheureusement, après leur départ, la situation n'est fait que s'exacerber. Et c'est vraiment inquiétant. Nous demandons qui va sécuriser cette population? Qui va assurer la tranquillité, la quiétude de la population de Manono si les autorités politico-administratives et sécuritaires ne peuvent pas prendre cette responsabilité? Faudrait-il qu'on attende que la population se prenne en charge? Les habitants de Manono estiment que si les autorités provinciales ne prennent pas des mesures drastiques pour rétablir l'ordre, Manono risque de devenir une ville fantôme, car les investisseurs, qui sont déjà très frileux, vont fuir et c'est toute l'économie locale qui en partira. La peur étant déjà installée dans le chef des habitants, les déplacements se font rares et les activités économiques ralentissent. Les questions qui restent en suspens, quelles sont les motivations des assaillants? Agissent-ils seuls ou font-ils partie d'un réseau plus étendu? Les autorités ont-elles des pistes pour retrouver les auteurs de ces crimes? Quelles mesures concrètes vont être mises en œuvre pour renforcer la sécurité à Manono et dans la région? Seul le temps nous fournira des réponses. Les habitants de l'avenue Makutano au quartier Kituku dans la commune Lukuga n'en reviennent pas. Cette maison résidentielle construite en bloc a pris complètement feu dans la nuit du vendredi à ce samedi. Ses murs écroulés et rien des biens matériels de la maison n'a été sauvé à part les 9 personnes qui ont réussi à se sauver de justesse de cet incendie qui s'est produit vers 3h du matin. À l'arrivée des Fricoms sur les lieux, la famille victime s'abritait chez les voisins sous un choc inconsolable.
Chaque vendredi, l'avenue Makutano est sous délestage. D'après la famille, rien de l'intérieur ne peut justifier l'inflammation. Pas de feu allumé, ni l'existence du carburant dans la maison. Le phénomène est pris très au sérieux par les autorités du quartier. On a pas mshiba mkubwa sana. Le nyumba yenye iliweza kulungula. Paka hivi hatujui kose gani yenye iliweza kuesandia ile nyumba. Tunapima kufama enquête. Mpaka hivi yajulikane, lakini mbele ya serikali walisema kama moto, mlipuko wa moto ulitokea chini musima. Nikuwa nalala garso mwa njogi sa ituambia, hamukua esanse, wala hamukua petrole, wala hamukua telefone mwa yenye naweza kuwa ya maajabu ya kuweza kuesandia, walishtuka tu moto unatokea. Na mpaka hivi hatuyajua kozi ya ile moto. Les autorités du quartier Kitoukou annoncent avoir ouvert des enquêtes pour que la lumière sur l'origine du feu qui a causé l'incendie soit déterminée. Interdite par le code de la route et d'autres instruments régulant la circulation en République démocratique du Congo, l'ivresse au volant continue à faire parler d'elle sur les routes de Kalemie et de toute la province du Tanganyika. Plusieurs langues s'accordent à attribuer les accidents de circulation enregistrés à cet état qui caractérise plusieurs chauffeurs. Il y a l'excès de vitesse qui est dit à quoi ? À l'ivresse surtout. Et en dehors de cela, les chauffeurs ne sont pas bien formés. Il y a des gens qui sont formés à la rue, mais tout d'un coup, on le prend, on le récupère et il devient des chauffeurs. Des efforts fournis par la police nationale congolaise chargée de la circulation et d'autres services techniques de l'État congolais en la matière semblent ne pas avoir modifié le comportement des conducteurs. Les plus francs ne s'empêchent de l'avouer. Les chauffeurs sont venus à la rue. Mais ils sont venus à la rue, ils sont venus à la rue, ils sont Benya fancha mama akisela ni bamotar. Bamotar mere abajui mere code ya route. Mzambiata motare sone ape utongo barabara. Batu nabo ava kuvuka barabara ifu nangalia mere ngambu ya ngambu ya ume. Tajuta masaa mtu anavuka angali kwenye konaenda. Que faudrait-il mener comme action afin de parvenir à éradiquer le phénomène ivresse au volant sur les routes de Kalemie en particulier et du Tanganyika en général? Les sanctions sévères sur les réfractaires passeraient pour une bonne thérapie afin de réduire sensiblement les accidents et promouvoir la courtoisie routière. Ils sont devenus de plus en plus nombreux dans la ville de Kalemie. En majorité jeunes, les débiles augmentent en taux à la grande inquiétude de la population. Babiana bengi banaribika sana voir même ataba mama ba moya ba moto na baona mwili nje ya bazimu kulukula tujui kama ni nini. Bokukotea vijana niko naona ba mingi zaidi anaweza kwenda kubafumu anakamata madawa kama ni ya bwizi kama ni ya nguvu. Ile yote kuna provoke. Unaya kama mtu anashinda condition ya shetani kuitimiza. Huenda ndoza kwenda kugwa bazimu. Si l'on pouvait en avoir que quelques noms à Kalemie, à l'instar de Tiringe, Kawele, Kabongo, Teresa, Kamasis, Betty, Mangunga, il n'en est plus le cas aujourd'hui. La catégorie s'accroît au point de ne pas avoir des références. Cependant, des personnes débiles sont pour la plupart abandonnées par leur propre famille et par le gouvernement. Conséquence, elles sont obligées à mener une vie d'errance. Les dégâts que certaines d'entre elles causent dans la société durant leur mouvement sont énormes. Certaines terrifient, d'autres se livrent à des scènes qui dépravent les mœurs, d'autres encore se livrent à l'extorsion de biens. L'encadrement des personnes débiles par le gouvernement est l'une des réclamations que les habitants de Kalemie formulent. On a eu un problème à Pakwetu Kalemie, tout le monde a eu un défi. Kuko wa ongozi wanafasi me abawazi nini yenyewe wanapasha kufanya juu ya kuankadre na kuleta discipline mu masekere ya kuachana. Sio hapa tuko naongelea juu ya ba benda bazimu benye banaongezeka ndani ya mji. Leo tu waongee hata ba handicapé beko me abana encadré ni nini gouvernement ana na service
social et encadrement. Sous d'autres cieux, les personnes débiles et celles en déficit mental sont hébergées sur les lieux sûrs. Ayant droit à la vie, elles sont nourries, soignées et suivies psychologiquement. Par chance, certaines d'entre elles redeviennent normales et utiles à la société. Le parcours a été brillant dans la zone de l'UNIFFAC pour l'équipe des Mazembe Dames qui a terminé en tête dans cette phase des groupes de la Ligue des champions africaines féminines. Ce chemin de qualification, les Corbeaux l'ont tracé lors de leur entrée en lice face à la formation brazzavilloise du FCF Diable Noir, une équipe à laquelle Mazembe a fait la barbe en inscrivant 7 buts en réponse de l'adversaire. Une autre victoire des 5 buts à rien a été enregistrée à la 2e journée face à Atlético de la Guinée équatoriale avant de concéder un partage des points à la 3e journée avec l'équipe football fille du Cameroun. En 3 sorties, les pouliches de Lamy Aboumedi ont réalisé 2 victoires et 1 match nul. Résultat satisfaisant pour les Corbeaux qui s'est qualifié en phase finale de la Ligue des champions féminines qui se jouera au Maroc, dont 8 équipes qualifiées des différentes zones ouvriront les hostilités sur l'aire des jeux. Les FCF Mazembe retrouvent cette ouverture de la phase finale des interclubs de la CAF pour la 2e fois après celle de 2022 où la prestation des Corbeaux était un gâchis aux yeux des supporters congolais. Champion Coupe du Congo, Mazembe acquiert ses succès depuis que l'entraîneur d'origine marocaine est placé à la tête du staff technique du club. C'est désormais officiel. La Fédération congolaise de football association a dévoilé au début de l'après-midi de ce vendredi 23 août 2024 la liste de 25 joueurs convoqués pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face à la Guinée et à l'Éthiopie. Cette sélection, comme souvent, ne laisse pas les observateurs indifférents et suscite de nombreuses réactions, notamment autour des choix du sélectionneur Sébastien Desabre. En rapport avec les convoqués, je me rends compte qu'il y a une équipe un tout petit peu homogène comparativement aux autres non qu'on voyait ou qu'on croyait comment dirais-je inamovible de la ternière de la tanière des léopards, sauf qu'il y a certains joueurs qui ne devraient pas apparaître sur cette liste, en l'occurrence Chancel Mbemba Mangoulou qui a de sérieux problèmes avec son club actuel. Sur le plan psychologique, il n'est pas assis et donc il ne nous sera d'aucune utilité. La convocation de Gaël Kakuta a relancé le débat sur l'âge avancé de certains joueurs et sur la nécessité de donner la chance aux jeunes talents. De nombreux supporters et anciens internationaux estiment que le milieu de terrain, malgré son expérience, n'a plus les niveaux requis pour porter le maillot des léopards et qu'il serait plus judicieux de miser sur des éléments plus frais et plus dynamiques. Nous avons l'occurrence Moutoussami qui vient de quitter la France pour aller en Turquie. Bon, pour moi, c'était pas un bon choix. Il fallait qu'il puisse aller même en Arabie Saoudite pour qu'il y ait un peu de compétitivité de l'autre côté parce que ces championnats montent en puissance. Gaël Kakuta, qui va en Iran, bon, qui joue actuellement en Iran. Donc, c'est quelqu'un qui vient pour apporter son expérience, apprendre aux autres comment gérer les temps. Malheureusement pour moi, certains noms qui devraient être sur la liste ne sont pas là. L'absence de Silas Katompa, l'un des meilleurs joueurs du championnat allemand lors de la saison dernière de cette liste, a également surpris. De nombreux observateurs s'interrogent sur les raisons de cette non-sélection, certains évoquant des tensions avec les supporters congolais ou des critères de sélection qui ne seraient pas clairs. En rapport avec l'absence de Silas Katompa, je sais que pour les autres, ils ne vivent qu'avec le présent. Nous apprenons tous l'histoire, hein. Il faut revivre le passé, améliorer le présent pour préparer l'avenir. Il a vécu des moments intenses pendant la CAN Côte d'Ivoire 2024. Quand il est revenu à Kinshasa, il n'a pas été bien accueilli. Il y a des gens qui ont eu à déplacer des langages, à le menacer. Et donc, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi l'on partirait chercher ces messieurs. Face à ces critiques, le sélectionneur Sébastien Desabre a tenu à justifier ses choix. Il a souligné l'expérience de Gaël Kakuta et son importance dans le groupe, tout en rappelant qu'il avait également fait appel à 2 nouveaux jeunes joueurs. Concernant l'absence de Silas Katompa, il a évoqué des raisons techniques et a assuré que la porte de l'équipe nationale restait ouverte à tous. De cette liste, on retiendra l'absence de Silas Katompa, Grady Diangana, Aaron Tshibola, le retour de Lionel Mpassi après une longue période d'absence due à sa blessure et la première sélection pour les jeunes Ngalayel Mukau et Nathanael Mbuku. Le rendez-vous est donc pris pour ce 6 septembre 2024 au Stade des Martyrs à 17h contre les Sili nationales avant d'affronter l'Éthiopie 3 jours après, soit 9 septembre au Stade Benjamin de la Tanzanie à 20h.